Alors, je vous avouerai qu'à la base, je devais faire cette vidéo concernant les prochains DLC DSF6 après la saison 1. Donc, de la saison 2 à la saison 5. Parce qu'il y aura entre 1 et 5 saisons. 6 saisons grand maximum. Mais je ne vais pas étaler et détailler le sujet. Parce que cette vidéo-là concerne les PNJ. Pourquoi ce mot est très souvent dit et très souvent exploité? C'est pas un hasard, c'est vraiment pas un hasard. Je le dis pas par plaisir, je le dis pas par mécontentement, je le dis par réalisme de ce que j'ai vu. Vous pouvez passer, monsieur. Arrêtez de me regarder, de me dévisager, de me regarder, de m'écouter, de m'espionner. Donc, on va se contenter du strict minimum, c'est-à-dire que moi, j'en ai marre de faire des vidéos où il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de... Alors, je demande pas, je demande pas la max, je demande pas la furie, je demande pas un financement participatif, et quoique on n'a pas de sponsor, on est 100% indépendant et ghetto, donc ça serait le strict minimum, normalement. Mais étant donné que ce fichu monde et ces fichus PNJ n'en comprennent rien à rien, ils continuent à engraisser des baleines. D'accord? Des baleines d'eau douce qui n'ont que ça à faire et qui sont déjà gavées. Mais comme ça ne suffit pas à ces PNJ de masse et qui ne sont attirés que par les chiffres et la hype et l'ego, ils vont continuer à engraisser les baleines d'eau douce. Pendant que ceux qui sont sur la douche adorent rien, vous voyez. Alors, c'est pas une vidéo moins contentement quoi que ce soit. C'est une vidéo réaliste, objectif, concrète, de ce qu'on a sur notre monde. Vous savez, il y a une image assez frappante que j'ai en tête souvent. Il y a deux anciennes, il y a deux enseignes. Il y a un restaurant 5 étoiles et t'as un restaurant une étoile. Sur le restaurant 5 étoiles, t'as de la bouffe merdique, t'as une présentation merdique et t'as un prix hors de prix. McDonald's, disons-le. Enfin, on fait référence à McDo, d'accord? Et à côté de ça, t'as une enseigne une étoile, repas plateau parfait, super présentation, prix correct, mais il y a personne. Pourquoi? Parce qu'ils se sont, puisque les PNJ se sont fiés à l'étoile, se sont fiés aux avis, se sont fiés au monde qu'il y a à l'intérieur. Ah, il y a du monde, je rentre. Là où c'est vide, je ne rentre pas. C'est la même chose pour les YouTubeurs. C'est la même chose pour les Twitchers, pour les machins et TikTok, machin. Bon, je suis jamais sur TikTok, j'y serai jamais, ni sur Snap, ni toutes ces conneries. Les réseaux sociaux, c'est fini pour moi. YouTube, c'est ma dernière plateforme. Et je peux vous dire qu'avec la visibilité que j'ai, avec le ras-le-bol que j'ai actuellement depuis déjà plusieurs mois, je pense que ce sera la toute dernière plateforme et mes toutes dernières vidéos. D'accord? Il restera plus beaucoup de monde qui visionnera. Il restera plus beaucoup d'activités. Et bah c'est comme ça. Voilà, c'est tant pis. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux, les PNJ ont ce qu'ils méritent, ils veulent aller engraisser encore plus les baleines d'eau douce, faites-le, ça sera sans moi, pas de commentaires, pas de détails, on arrête là, je vais balancer la vidéo telle qu'elle. Ah, vous, vous aimez les montages, vous aimez les petites musiques à la con, tu savais, le même Affil Entertainment, Bob l'éponge à la con. Tous ces trucs-là où tous les PNJ utilisent exactement les mêmes procédés, le même cadrage, les mêmes miniatures avec des gueules en cul de poule. Voilà, c'est ça que vous aimez. Allez consommer ça. Ici, ça se passera jamais comme ça.